Élu président de la République avec 73,47%. La CENI avait parlé de 73,34%, voilà, la Cour 73,47% et c'est confirmé, il est élu président de la République. Nous allons analyser avec nos invités. La réaction de l'opposition n'a pas tardé, elle s'est dit non surprise de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Analyse et commentaire, c'est tout à l'heure avec nos invités. Entre-temps, le Conseil d'État va siéger ce mercredi 10 janvier 2023 pour examiner les requêtes introduites par les candidats invalidés. Candidats invalidés ou parmi lequel Gentil Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a été mis à la disposition du procureur de la justice. C'est l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, le bureau, allais-je dire, 4 sur 5 membres des bureaux ont voté pour la levée de ces immunités. Gentil Ngobila est donc mise à la disposition de la justice. Nous allons parler avec nos invités ce matin. Ils sont au nombre de 3. 2 sont déjà là avec nous. Eric Bisselo est face à Mike Gardi Diana. Eric Bisselo, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Nerveux. Je vous retourne l'appareil également à vos téléspectateurs. Je leur souhaite une bonne année 2024. Malgré les vicissitudes de l'heure, malgré les difficultés, malgré bien sûr le ciel tout à fait ombragé qui s'annonce déjà dès le début de l'année, nous avons le devoir de rester positifs et nous avons le devoir de faire en sorte que la République démocratique du Congo retrouve sa superbe. Et ça, on peut le faire que si nous sommes en harmonie avec nos textes de loi, mais également avec notre conscience. Voilà, c'est votre première participation à Kiosque. Dans Kiosque, tout à fait. Merci en tout cas. Alors, soyez à l'aise. Je serai face à Mike Gardi Diana. Bonjour Mike Gardi Diana. Bonjour madame, bonjour à Maître Eric, bonjour aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Voilà, nous commençons avec vous parce que le troisième invité va nous rejoindre. Alors le premier sujet, c'est la décision d'hier de la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, confirmé président de la République avec 73,47%. Votre réaction, Magardizien? Merci. Je crois que la réaction, autant que l'opposition le dit, autant que chaque volet avait déjà constaté que c'était presque une bataille gagnée pour Félix Tshisekedi, quand on a cet écart-là, je pense que le dé était jeté depuis un certain moment. Nonobstant le quelques requêtes arrivées, parce que moi j'ai un autre point de vue politique, parce que pour moi, ces requêtes-là, si c'est, on venait dans l'idée de faire les choses différemment, a plutôt servi, à mon sens, la cause. Mais dans le fond, je crois que la seule réaction qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que c'était sans surprise. Mais au-delà de l'absence de cette surprise-là, aujourd'hui, moi, j'avais dans le sens plutôt de recommandation, je dirais, au chef de l'État, qui vient d'être réélu, malgré le fait que les choses se sont passées comme ça, je lui conseille ici, et une seule chose de le conseiller, c'est qu'après ici, essayer de ratisser large, essayer d'organiser une sorte, je ne veux pas appeler ça dialogue, parce que ça revêt maintenant un caractère un peu péjoratif et compliqué, mais essayer d'écouter, de se mettre autour d'une table avec ses pairs de l'opposition, essayer de discuter, essayer de voir à la limite du possible comment on peut réfléchir, stopper les velléités des insurrections qui peuvent arriver de gauche à droite, dans la mesure où aujourd'hui, croyez-moi, la tentation est forte par ceux qui ne voulaient pas qu'il y ait élection à RDC, par ceux qui pensent que Kinshasa gère la situation de l'Est de manière à déranger les intérêts de certains, par ceux qui estiment qu'aujourd'hui, les politiques congolais ont cette proportion-là vers la violence armée quand il s'agit des questions de la République. L'exemple est là, vous verrez un ancien président de la CENI qui se retrouve chef en tête d'un groupe armé, ça veut dire que le vieil démon commençait à ressurgir parce qu'il existe des gens qui veulent voir le Congo retourner à la case départ. Et je crois que le chef de l'État aura intérêt à transcender ce clivage politique, aura intérêt à ratisser large et discuter avec ses frères parce que l'élection étant passée, on reste en train de congolais maintenant. C'est vrai que certains, je sais que tout le monde ne viendra pas, mais à la limite du possible, qu'ils fassent le pas vers les autres. Question de discuter, voir la mesure du possible et comment aller vers cette... j'ai envie de dire cette notion de gouvernance transversale où au-delà de ceux qui sont dans le carcan des institutions, par exemple le principe de la formation, mais aussi voir à la limite du possible comment les autres peuvent participer
et leur faire comprendre qu'ils sont congolais, c'était un combat à la loyale. Maintenant, on va parler République, et quand il s'agit de la question de la RDC, c'est une question qui nous concerne tous, peu importe le bord où on est, parce que le plus important, c'est la République, le reste, c'est lié après. Voilà, c'est votre réaction par rapport à cette décision de la Cour. Alors, M. Eric Bisselo, vous également, comment vous avez reçu cet arrêt de la Cour? Malheureusement, sans surprise. C'est malheureusement sans surprise, tout en sachant que, conformément à l'article 161 de la Constitution de la République, la Cour constitutionnelle est juge du contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que du référendum. Donc, sachant qu'il y a eu un contentieux bien avant, avec Maître Ngoï et la CENI et également le candidat numéro 20, suite à ce contentieux que la Cour constitutionnelle a jugé certainement non fondé les éléments apportés, bien pas suffisamment fondés pour pouvoir changer les résultats définitifs, à valider, conformément à la loi, les résultats provisoires donnés par la CENI. Il est vrai que, vous savez, il est ici question, le régime de Félix-Antoine Tshisekedi a souffert de quelque chose de très très pertinent, de très très lourd, ça s'appelle la légitimité. Et la légitimité, elle vient du processus électoral légitime qui repose non sur un aspect moral et sur un aspect légal. C'est ça, cette symbiose qui fait qu'on a la légitimité. Le processus, malheureusement, n'a pas brillé par sa moralité. Les élections n'ont pas brillé par la légitimité, puisqu'il y a eu pas mal d'abus de textes réglementant les élections en République démocratique du Congo, et finalement pour arriver même à attraper sur les faits un certain nombre des caciques de l'Union sacrée, notamment dit des gens qui sont du même camp que le chef de l'État actuel, qui sont venus bourrer les urnes, qui sont venus avec des machines, et heureusement attrapés par la CENI, qui essaye dans ce cas-là de justifier une fois encore la nécessité d'obtenir une certaine légitimité à de nos chefs d'État. Mais c'est quand même assez étrange que nous n'ayons pas vu les résultats de ces vols, ou bien de ces, pour l'instant, ce que la CENI a mis de côté, de toutes ces personnes indiquées avoir détourné les machines, d'avoir triché, ça n'a pas fait infléchir les résultats donnés par la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un peu... On dit que ça n'a pas de l'influence. Si ça a influencé, on a raison. Non, c'est passé de 73,34 à 73,44. Ça a augmenté, vous comprenez. Ça a augmenté, au contraire. Ça a augmenté. C'est ce qui est un paradoxe. C'est ça, d'ailleurs, les débats. Comment c'était vrai de ouais, c'est un paradoxe qu'il faudra certainement expliquer. Nous, moi, je ne suis pas dans la marmite. Et c'est ce paradoxe. Et quand on a des mauvaises élections, ça crée nécessairement le doute. Et ce doute-là, aujourd'hui, si l'opposition... Plusieurs oppositions sont déjà dessinées, à savoir, effectivement, comme a dit mon cher ami, l'opposition de Corneille Nangaa, qui est politico-militaire avec le M23, donc politico-militaire, pas juste militaire, politico-militaire, opposition armée. Il y a l'opposition de Joseph Kabila, qui a dit que je ne participerai pas à ce mascarade d'élection, et qui aujourd'hui s'estime avoir eu raison après tout ce qui a éclaté au grand jour. Et puis il y a l'opposition républicaine qui a voulu jouer le jeu parce que c'est une obligation constitutionnelle du pouvoir d'organiser les élections dans les délais prescrits. Nous avons les élections après les délais, puisque les élections doivent être organisées 3 mois avant la fin du mandat, mais on l'a fait 1 mois avant, il n'y a pas mort d'homme, il fallait qu'il y ait ces élections. Les élections imparfaites, oui. Les élections qui portent au sujet à débat, oui. Parce que sur 44 millions de Congolais qui devaient voter, nous n'avons eu que finalement 18 millions de Congolais qui sont allés voter. Et ça, quelque part, c'est un peu inquiétant. Parce qu'on a vu cet engouement d'aller se manifester, d'aller voter. Mais nous avons vu, quand l'opposition républicaine appelle les Congolais à prendre leurs responsabilités, ce sont ces mêmes Congolais d'ailleurs qui se sont manifestés, aller attraper les voleurs sur les faits, à dénoncer ce qui n'allait pas dans certains bureaux de vote, à critiquer le fait que les listes n'aient pas été, les listes des personnes qui devant voter n'aient pas été publiées dans les bureaux de vote, qui ont critiqué l'absence des témoins dans les lieux de vote. Donc tout ça a alimenté cette forme d'illégitimité. Et c'est ça la difficulté, mettant le chef de l'État, il faut qu'il se montre grand par la fonction, mais aussi peut-être aussi par l'aspect politique, pour dire qu'au sortir de ces résultats qui porteront sujet à débat et à caution,
de dire qu'il faut chercher une forme de cohésion. Et cette cohésion passe nécessairement par un élargissement du pouvoir, c'est-à-dire une concertation avec de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, à la fois sur le processus et sur le fait que vous avez gagné. Et ça, il faut l'accepter. Bien sûr, pas ceux qui sont les armes. C'est-à-dire quoi, en clair, En clair, c'est ce qu'a dit mon cher ami également, c'est parler avec toutes les forces politiques en présence. Pas forcément de ceux qui ont dit « Fatih Béton, Fatih Béton, Fatih Béton ». Mais ceux qui ont dit que non, nous n'acceptons pas les résultats des urnes, nous n'acceptons pas la décision de la Cour constitutionnelle. C'est quand même assez inquiétant parce que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes normalement dans un état de droit, c'est-à-dire que nous nous reposons sur ce qui est écrit. Mais tout en sachant que la décision de la Cour constitutionnelle s'impose à tous les Congolais, mais depuis des cycles électoraux qui passent, les décisions successives de la Cour constitutionnelle ont toujours été remises en question. Pourquoi ? Parce que ça souffre d'une forme d'illégitimité dans les nominations, notamment des présidents de ces cours, dans les nominations des membres de ces cours, mais également sur les penchants toujours un peu critiques ou bien critiquables pris par la Cour. Mais la Cour a validé ces résultats, c'est-à-dire que c'est fini, on tourne la page des élections, passe à autre chose. Ça, c'est en principe ce qui est de l'ordre du droit, mais de l'ordre de politique, on n'en tient pas compte. Ça ne changera rien. Si, ça peut toujours changer quelque chose. Parce que si vous n'arrivez pas à gouverner malgré que vous ayez gagné les élections, vous pouvez tout à fait à un moment dire, voilà, on revient sur les élections. Alors, Dandy Bokabo, bonjour. Vous nous rejoignez. Oui. Entrez directement dans le sujet. C'est votre réaction par rapport à l'arrêt de la Cour. Ben, les deux intervenants qui m'ont précédé ont dit des choses qu'il faut retenir, sauf le fait de pouvoir, après les élections, il y a quelqu'un qui a gagné. Le président Tshisekedi a gagné les élections. Et son groupe, avec sa vision, avec son projet, son programme. Élargir, ça ne devrait plus être dans notre vocabulaire politique au niveau du Congo, puisque dans les pays où l'élargissement aide à avancer, oui. Mais dans notre cas, quand on regarde depuis 60 jusqu'à ces jours, même à l'époque de la dictature, il y avait toujours une certaine ouverture, l'élargissement du champ politique. Et ça n'a jamais donné des résultats positifs. Ça n'a jamais donné des résultats positifs. Moi, je dis aujourd'hui, il y a une chance inouïe pour ce pays de savoir qu'il y a quelqu'un qui est légalement élu et qui aura, qu'on le veuille ou non, la légitimité du peuple. D'ailleurs, la légitimité du peuple s'est en fait déclarée lors du vote pour ceux qui sont réellement justes. Quand on a vérifié au niveau des bureaux de vote l'engouement qu'il y avait des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes, surtout ces trois catégories, dans les bureaux de vote où la plupart, la majorité des gens ne cessaient de déclarer que j'ai voté tel, j'ai voté Tshisekedi, Tshisekedi. Quand on a regardé pour ceux qui sont restés jusqu'au petit matin, quand il y a eu le comptage, pas seulement devant les témoins, non seulement devant les observateurs, mais aussi nous en tant que citoyens qui sommes restés sur place, on voyait que le dé était déjà pipé, tout était déjà plié. Tshisekedi, d'une manière ou d'une autre, il a eu cette légalité, il a eu cette légitimité déjà au niveau des bureaux de vote. Aujourd'hui, il ne faut pas discuter. Il y a eu des gens qui ont demandé à ce qu'on recompte ou à qu'on fasse les élections. C'est des bonnes guerres. Qu'est-ce qu'un Ngoï pouvait gagner dans ce qu'il a fait comme demande, même si on refait les élections? Est-ce que M. Ngoï aura 10%? Non, il est en train de se moquer du monde. Mais si on refait les élections, c'est pas là que Fayulu va pouvoir remonter la pente. Je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est une chance inouïe. Le président actuel doit faire en sorte qu'on puisse modifier ou changer de constitution, voire même changer de république. Il faudra revenir sur les institutions. Revenir sur les institutions, aller à l'essentiel, puisque la constitution que nous avons est un peu bancal, qu'on le veuille ou non, il faut revoir, revisiter cette constitution de fond en comble et faire en sorte que ce pays décolle, non seulement institutionnellement, mais aussi au niveau du choix des acteurs. Il faut, comme moi je l'ai toujours défendu, trouver des acteurs qui ont les trois S, qui complètent ce que notre ami Maître Patilendo dit, la méritocratie. Moi j'ai dit, on peut mériter puisqu'on était militant, c'est pas suffisant. Il faut rajouter les trois S, à savoir le savoir-faire et le savoir-être. Ce qui manque
beaucoup à certains de nos dirigeants. On ne peut pas décoller si on n'a pas des gens qui ont ces trois S. Le savoir, savoir-faire et le savoir-être. Il faut qu'on arrive à ça. Et je pense qu'on aura le temps de débattre dans les jours à venir. Je pense que le moment est venu plutôt qu'on puisse débattre de ce que nous, en tant que citoyens, nous voulons que le nouveau régime fasse. C'est plutôt de revenir toujours sur les élections. C'est déjà passé. Le vin est tiré, il faut le boire. Mais il faut que nous aussi, de notre côté, au lieu d'attendre que si tout va mal, critiquer, qu'on puisse nous faire des suggestions, non seulement au niveau du choix du gouvernement, de la taille du gouvernement, du choix des acteurs au niveau des entreprises privées, pas privées, des entreprises d'État, hein, etc. Il faut que nous, déjà, on devance le président de la République, qu'on devance son groupe pour ne pas venir critiquer. Sortons des idées qui puissent nous aider à sortir des sentiers battus. On parle qu'en reconstruction du pays, mais... Ben oui, oui. Voilà. Ce serait une bonne chose. Alors, mais cela n'empêche pas que l'on puisse analyser par rapport au pourcentage, parce que malgré, comme vous venez de dire tout à l'heure, Monsieur Eric, malgré qu'il y a eu annulation des élections, par exemple, à Massimanima et à Koma, et puis des cas de fraude qu'on a décelés, la CENI a parlé de 73,34%, mais la Cour constitutionnelle qui revient avec 73,47%. Il y a 0,13% de plus. Mais vous savez que quand on a rendu le verdict, il y a encore des bulletins qu'on n'avait pas comptés. De certains bureaux de vote du 26, le 27. C'est ça qui, d'une manière ou d'une autre, est venu corriger, arrondir les angles. Et les endroits où on a annulé, ça n'a pas corrigé. Mais ça n'a pas joué beaucoup, tu vois. Ça n'a pas joué beaucoup. Diana, vous avez... Je veux commencer par là. Je ne pense pas qu'il y ait eu des bulletins qui n'ont pas été comptés. Pourtant, la CENI l'avait dit. J'ai l'habitude de rappeler aux gens quand, au centre Bossolo, quand on publie les résultats, circonscription par circonscription, il y avait une case à côté où on vous donnait les détails que les gens ne lisaient pas. Le plus grand taux de traitement, ça veut dire quoi? La CENI, voilà le travail qu'on fait avec le député, la CENI l'avait déjà fait en amont. Il y a eu deux zones où il y avait des complications et de doutes. Les résultats étaient momentanément gelés. C'est-à-dire c'était gelé, c'est pourquoi vous verrez que le taux de traitement dans certaines circonscriptions, le grand record, je crois, c'est 85. Et si je m'abuse, c'est dans le côté Kivu. Congo central, je crois, c'était 73, Sheila et les autres. Le taux de traitement définissé, ce n'est pas qu'il y avait d'autres bulletins qui se sont ajoutés, mais il y a des résultats qui ont été gelés, peut-être après contentieux au niveau interne. On s'est rendu compte qu'on pouvait élaguer certaines histoires, remettre certaines circonscriptions au bureau de vote dans le contexte. Donc c'est pas ça. C'est plausible. Je reviens sur un élément essentiel, je veux le rappeler à M. Gandhi, c'est que quand on est la République démocratique du Congo, le dialogue fait partie des modes de gestion. Vous savez pourquoi? Peu importe les efforts que vous ferez, en 5 ans ou en 10 ans, vos efforts vont se heurter à la taille immense du chantier qui représente la République démocratique du Congo. Il a parlé de la reconstruction de la République, je suis d'accord. Mais je pense, et il ne va pas me contredire, que la première des constructions, c'est sur l'homme congolais. Il parle de S, de savoir, oui. Mais s'il en parle, c'est parce qu'il n'y en a pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il propose? C'est une solution magique. Les gens qui ont ce savoir-là, savoir-faire et savoir-être, où irions-nous le chercher? Ils sont là, mais le problème c'est qu'on est dans une sorte de nébuleuse où il y a un sérieux problème en termes de qualité d'homme. On va se mettre d'accord. Et au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle la construction, le pont politique, il ne faut pas le négliger. Aujourd'hui, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, il y a eu quelques cas d'irrégularité, mais on a eu une opposition qui, depuis toujours, a opté pour une approche anxiogène. C'est des gens, même avant le processus électoral, qui commencent déjà à soulever. Parce qu'ils savent que l'imperfection, il y en aura. Ils tirent sur des éléments qui peuvent finalement asseoir une thèse, de, un peu comme on dit ici, tricherie, sauf que personne n'ira devant la cour pour le prouver. Pour ceux qui l'ont prouvé aujourd'hui, la justice est en train de faire son travail, vous voyez un peu. Ce qui fait que, dans ces contextes-là, il faut éviter d'embraser la République, surtout quand on est dans cette posture ici. Le Congo est devant un fait accompli. La gestion de la guerre de l'Est qu'on fait maintenant, croyez-moi, quand Corinne Nang est parti là-bas, il n'est pas parti parce qu'il le voulait simplement. On ne se le réveille pas d'un bon matin, on devient rebelle. Il y a eu une sollicitation, il y a un plan, il y a une stratégie. Et je peux mettre ma main à couper, seulement, je n'aime pas faire des allégations. Quand qui dit Corinne Nang? Quand je vois la taille et la nature de gens qui rejoignent Corinne Nang, je peux m'imaginer d'autres personnes qui tirent le ficelle derrière, de politique.
Je vous ai dit, c'est un problème. Moi, j'ai, excusez-moi, j'aime pas tomber dans l'esprit des juristes, les idéalistes, des gens qui sont forcément dans ce qui devrait être. Moi, j'aime être réaliste. La réalité, c'est quoi? Quoi que l'on dise, ce qui est sûr, c'est que je veux le dire ici, même avant les élections, je le disais sur ces plateaux, que quand je regarde cette configuration, je ne vois pas de l'opposition de manière à inquiéter Tshisekedi, je le disais ici. Parce que, je vais faire une analogie simple, vous ne pouvez pas prétendre aller battre quelqu'un qui fait un effort, qui politiquement essaie d'asseoir le base à gauche et à droite dans l'ensemble de la géopolitique de la République. Vous qui êtes opposant, vous arrivez en vous tapant dessus. L'autre traite l'autre de malhonnête, l'autre traite, vous vous tirez dessus. Et aussi, parce que vous avez mis dans le chef de vos adeptes et de vos militants qu'il n'y aura pas élection le 20. Certains qui avaient beaucoup plus de moyens, comme M. Moïse Katumbi, il dit, bon, je veux quand même battre campagne, en attendant, si jamais il n'y a pas d'élection, il n'y aura rien à perdre, on saura quoi faire. On arrive, effectivement, il y a l'élection. Beaucoup n'étaient pas prêts pour ça. À un moment donné, la politique congolaise est devenue très subjective. Il est facile d'aller dans les anticatastases. On trouve des argumentaires juste pour asseoir une thèse, et malheureusement, il y en aura toujours, parce qu'il y a toujours une dose d'imperfection. Théodore Dangoué était devant la cour. Je vous ai dit ici que, la dernière fois, je l'ai dit, même le jour où on publiera les résultats circonscription par circonscription, même le jour où ses opposants auront leur PV en main, ils crieront à la tricherie, ils diront. Mais la question, c'est que pourquoi beaucoup ne sont pas allés départ devant la cour? Parce qu'ils ne croient pas à cette cour. Je vais vous donner un exemple. Cette cour-là, la cour dans sa composition ici, a déjà rendu deux arrêts en faveur de cette opposition. Dans le dossier Matata, mais également dans Moïse. Le dossier Moïse. Moïse Katumbi a fait une vidéo pour féliciter cette cour-là. À quel moment la rupture a eu lieu dans la confiance vis-à-vis de cette cour? Même avant cet arrêt-là, ils ne croyaient toujours pas. Mais ils ne croyaient pas. Ils ont demandé la récomposition de la cour. Vous faites une vidéo pour remercier la cour qui a... Alors Diana, vous attendiez à quoi après la publication des résultats que Félix... Évitons le jeu de tomber dans le jeu politique. Surtout moi, je ne vais pas tomber. Bon, je comprends. En face de moi, Maître Eric, il est politique, c'est logique. Mais moi, mon travail, c'est de filtre. Je vous dirai les choses telles qu'elles sont. Il est bien d'alléguer des choses, il est bien d'utiliser des arguments et des éléments de langage politique, mais à la limite, près à un certain moment, il faudra être factuel. Et c'est ça la bonne politique. Vous comprenez? Et ce qui fait qu'il y a certaines inquiétudes qu'on a ici, il a soulevé des inquiétudes réelles qui, pour moi, datent qui sont devenues presque structurelles, qu'on doit corriger, oui, mais c'est mal de pouvoir le prendre dans un autre contexte. Parce qu'à lire cette lecture-là, on aurait l'impression que les trois autres processus électoraux qui sont passés étaient meilleurs. Ouais. Or, ça, c'est le principe du Congolais. Le Congolais, ce qui vient après, est forcément meilleur. Oui. Le comble, les gens réclamaient Kabila après. Parce que forcément, on estimait que, bon, parce qu'il y a eu un contexte de crise, le taux de dollar augmente, et puis il y a la crise sur le marché économique mondial. Vous voyez, c'est un peu, on est un peu passéiste. C'est logique, je comprends. Parce que le devoir, c'est ce qui vient après. Mais il y a un peu de réalisme aussi. C'est ce que j'ai dit. Il y a un peu de réalisme, mais on sait que les Congolais... Le réalisme est là. C'est ce que j'ai dit. J'ai cité les éléments de fait qui prouvent à ce sens que les gens peuvent aller dans ce sens-là. Oublions d'autres aspects de choses. C'est ça, le Congolais. Mais dans le fond, je crois que si vous voulez reposer la question à chacun d'entre nous sur ce plateau, on vous dira que, au-delà de la prévisibilité de cette réalité, même si on prenait par l'absurde, ont décidé d'annuler les résultats de 11 000 bureaux de vote, on enlevait 5 ou 6 millions de voix. C'est toujours autant. C'était un combat perdu d'avance. Et alors, je crois que les autres l'ont compris, on refusait d'aller par devant la cour. Mais j'insiste sur cette idée, et je rappelle encore M. Gandhi, quand on est la République démocratique du Congo, il faut faire du dialogue un mode de gestion, parce que le Congo est une mosaïque. Le Congo est un État-continent. On a souffert depuis toujours de ces problèmes, des crises, des déstabilisations. Le pont, c'est-à-dire l'arc-bouton de ceux qui viennent torpiller la République, c'est généralement les Congolais un petit peu frustrés, parfois pour rien. Mais ils sont quand même frustrés. Et le bonheur, c'est que sortir grand, c'est transcender les clivages politiques. Quand j'ai dit aller parler, c'est pas forcément pour aller prendre de gens, en faire des ministres et des vétérans. C'est ce que Jacques raconte. Ils vont parler de quoi alors? Ouais. On va parler de la République. C'est ça la perception du Congolais. Les Congolais aiment trop l'argent. On vient te parler, quelqu'un qui a gagné, j'ai gagné les élections, j'ai le droit d'agir. Mais on est Congolais. Ici, je viens te parler. Parlons en face. Il est peut-être possible qu'il y ait des frustrations qu'on n'a pas compris dans le contexte électoral, que dans un autre contexte politique, on arrive à se mettre d'accord. C'est possible. C'est-à-dire, on voit un Fayoulou
parler avec Tshisekedi. Oui, n'allez pas dans les individualités. Pas pour, il y a eu 24 non, mais ce sont eux les opposants. Non, oui, on voit Moïse Katumbi parler, parce que si ça ne va pas aboutir au partage du gâteau, comme je vous l'ai dit, je vais vous poser une question. Ça va aboutir à quoi? Je sais que ce n'est pas à vous de répondre à cette question. Quand Martin Fayulu a manifesté de l'amitié avec Félix Tshisekedi lors de la réunion avec la CENI, c'était un opposant ou non? Pourquoi? Fair play. Ah, pourquoi tu penses qu'après, il n'y aura pas de fair play? Alors, monsieur Eric Bissello, c'est fini hein, avec les déclarations. Hein, parce que d'ailleurs, j'ai entendu que l'opposition a une déclaration aujourd'hui, après l'arrêt de la cour. Ça fera encore non, à quoi? Non, ça ne finira pas, parce que je vais même enchérir. Il ne s'agit pas ici juste d'avoir le Congo de taille des continents. Non, le Congo est régional. Le Congo est tribal. C'est-à-dire que même si vous êtes du pouvoir central et que vous ne savez pas parler avec le Congo profond, ceux qui ont l'emprise sur le Congo profond peuvent vous empêcher de gouverner. Là, nous parlons aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce qui vivent les habitants des Ituri en ce moment? Est-ce que vous savez qu'il y a un conflit entre les Ouazalendo et les FRDC? Est-ce que vous savez qu'il y a des morts au quotidien? C'est-à-dire que l'État n'arrive pas à protéger les habitants des Ituri. C'est une crise régionale. C'est une crise des tribus. Mais c'est une crise des Congolais. C'est la responsabilité du pouvoir central. C'est pour cela que le dialogue semble être le mode de gestion la plus pertinente à ce jour. Mais c'est vrai que je vais encore torpiller la position de la Cour constitutionnelle. Excusez-moi, mais depuis le début, l'opposition a critiqué tant la nomination de Kadima que la Cour constitutionnelle. On dit que la Cour constitutionnelle a rendu deux décisions en faveur de l'opposition. J'ose croire que non. La Cour constitutionnelle a rendu deux décisions en faveur du droit. La notion, la nuance est très importante. Parce qu'elle n'est pas censée rendre des décisions en faveur d'un camp politique ou un autre. Et la troisième, elle n'est pas en faveur du droit. Non, attendez. Sur les deux décisions rendues soi-disant... Vous arrachez les mots de la bouche. Non, je n'ai pas fini. Allez-y. Sur les soi-disant deux décisions rendues en faveur du droit pour les gens qui étaient de l'opposition, dont Matan Tapone, une décision a été remise en question. Laquelle? La décision de Kalouba sur Matan Tapone. Oui, Matan Tapone est rejugé devant la Cour constitutionnelle. On parle de la Cour, cette composition. Donc, non, c'est cette composition. Non, il n'y a pas d'interruption. Il y a la continuité, il n'y a pas d'interruption. C'est la même Cour constitutionnelle. Pas les mêmes personnes, mais c'est la même. C'est-à-dire que, attendez, c'est la même. Diana, s'il vous plaît. Vous m'avez dit que la Cour constitutionnelle a rendu des décisions. Vous ne m'avez pas précisé que c'était avant. Dans le cadre du processus. Oui. Attendez, je vais revenir à vous. Laissez-le finir ses idées. Non, je n'ai pas les matins pognon. Oui, dans le contexte. C'était Diana, quoi, vous le laissez terminer ses idées. Oui. D'accord. Moi, je considère que nous, c'est légitime parce que dans ce pays, nous avons toujours eu les placements dans ces institutions, notamment la Cour constitutionnelle ou que ce soit dans la CENI, des gens en faveur du pouvoir. C'est quelque chose que c'est des mauvaises habitudes que nous avons prises. Et maintenant, il est difficile de rompre ce cordon. Parce que, de manière tout à fait logique, moi j'ai des gens, j'entends régulièrement les gens dire on n'organise pas les élections pour les perdre. Mais bizarrement, vous savez, ce sont des gens du pouvoir qui le disent. Nous n'organisons pas les élections pour le perdre. Donc c'est-à-dire que, quitte à ce que nous volions la légitimité Mais Kabila a perdu, il a organisé. Il n'a jamais perdu des élections. Si Kabila avait perdu des élections, Kabila ne serait pas en coalition d'une manière aussi simpliste et Félix Tshisekedi. Là, vous entrez dans un débat. Oui, c'est vraiment un autre débat. Sinon, le Conseil d'État... Je vous rappelle que Nanga était un des acteurs du premier rang de ce soi-disant élection perdue par Kabila. Kabila, de toute façon, était sortant, donc il ne pouvait pas perdre. Donc, dans tous les cas, la chose qui est cruciale ici, il faut voir que nous avons besoin de légitimité. L'opposition fera son point de presse parce que l'opposition avait déjà dit que nous ne reconnaîtrons pas la décision de la Cour constitutionnelle. C'est pour ça que nous n'allons pas devant la Cour constitutionnelle. Et nous avons vu aussi que le pouvoir, durant ce processus, a voulu se créer une opposition à travers quelques candidats présents à la République mineurs. Il les a donné des voix pour en faire une opposition importante. Comme qui? Il y en a qui ont dit votre immeuble, c'est Moutamba, ce n'est pas son sérieux. Moutamba, il a commencé sa campagne, il est parti, je crois, dans sa circonscription électorale, et il s'est plaint, il s'est coincé parce qu'il n'y a plus d'avion. Et on n'en a plus jamais entendu parler. Et là, vous le voyez émerger avec autant de voix. Mais heureusement, aujourd'hui, avec l'Internet, on entend Moutamba dire oui, il faut mieux rassurer quelqu'un. Nous avons entendu aussi, nous avons vu un certain monsieur, un autre candidat,
atteindre des voix d'une grande... On ne sait même pas qui c'est, en fait. Rajabu. Je ne sais pas, vous avez vu Rajabu faire campagne. Non, il était en 2018 il était aussi. Non, cinquième. Il était dans le top 5. Vous avez vu faire campagne où? Oui, mais je vous demande. S'il vous plaît. Vous êtes un expert pour ça. C'est pour m'éclairer, c'est pas pour vous. Je veux répondre. Non, éclairez-moi. C'est pas vous qui posez des questions. C'est pas vous qui posez des questions. On dit qu'il a de l'ancrage du côté de l'Est, qu'il a postulé aussi en 2018. Au-delà. S'il vous plaît. 2018. Oui. 2018, mais attendez, les choses évoluent. Si vous me dites qu'en 2018, il était dans le top 5, donc il était rassuré de devenir président en 2023, excusez-moi, c'est autre chose. Donc, en réalité, l'opposition, le pouvoir avait besoin de se fabriquer ses opposants. Comme les opposants aussi, hein, on a vu les autres, la Motata, qui allait du côté de l'opposition, qui s'est rallié à Moïse Katumbi. Ça aussi, c'était du fabriqué. Matata Tamponio avait... Je ne peux pas parler du cas de Matata Tamponio parce que, pour moi, je considère que Matata Tamponio avait besoin de se rassurer pour ses propres turpitudes, pour ses propres dossiers. Donc, il cherchait un endroit où se réfugier. Et donc, ça, cela ne concerne pas ses alliances. Matata Tamponio, il sait très bien qu'il n'aurait jamais été candidat sérieux. Alors, on évolue, le Conseil d'État va siéger aujourd'hui, je le disais, pour examiner les requêtes introduites par les candidats invalidés. Vous attendez à quoi? Il y a quelqu'un qui a dit on va encore vivre le deuxième procès 100 jours, après il y aura des non fondés, recevables mais non fondés. Est-ce que... Ouais, moi je pense globalement que ce sera un coup d'épée dans l'eau, d'une manière générale. Qu'il y ait des exceptions, c'est possible, mais... Si on va plus loin, je pense que même des 82 là qu'on a retirés du lot, c'est pas suffisant. On peut aller même au-delà. Il y a eu des tricheries à grande échelle. Mais même si on peut pas arriver à ce que moi je pense à 200, 300 ou 400 candidats qui ont joué ce mauvais jeu démocratique, ne serait-ce que pour ce petit groupe de 82, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la logique, que ces gens-là soient normalement condamnés. À ne plus être candidat pendant 5, 10, 15 ans, ne plus être électeur ni éligible. C'est comme ça qu'on change certaines mentalités. On ne change pas de mentalité en créant des agences. On ne change pas de mentalité des gens en mettant des panneaux sur comment se comporter, etc. C'est par l'action judiciaire. C'est par la sanction ou éventuellement pour des gens qui méritent faire en sorte qu'ils soient méritants. C'est comme ça. Moi, je dis, on a un champ intéressant. Si on loupe cette échéance, moi, je vais commencer à avoir peur pour cette République. Je vais désespérer de la République. Au moins, pour une fois, que la justice fasse son travail jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas d'implication des politiques pour pouvoir tirer certaines personnalités du lot. Ce serait néfaste pour notre évolution, l'évolution de notre mentalité, l'évolution de notre République vers une démocratie, vers un État structuré, puisqu'aujourd'hui, les défaillances que nous avons, on a cité les cas de l'Est où Ouazalendo, les gens de l'armée se battent et autres, on a un déficit par le fait, beaucoup ont décrié ici, par le fait qu'on a un État, mais pas un État réel. On est dans un État factice. Il y a des choses qui correspondent. Le pays existe, mais l'État réel n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce qu'il y a des entiers, des territoires qui ne sont pas administrés. Vous allez là-bas, il n'y a aucun représentant de la police, de l'armée, des services de sécurité et de l'administration. On dit qu'on a un État. L'État, le socle de l'État, c'est d'abord l'administration. Au-delà du fait d'avoir un gouvernement, d'avoir une population, d'avoir une reconnaissance internationale, etc., c'est l'administration. Quand l'administration n'existe pas, vous ne pouvez pas prétendre être un État moderne. En cela, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, qu'on doit réduire le train de vie de l'État en partant du gouvernement. Pourquoi? Ça permettra, si on a 15, 17 ou 20, en exagérant, 25 ministres, ça permet de structurer l'administration. Donc on a réduit. Je vais finir là-dessus. Non, on n'a pas réduit. Il faut vraiment réduire. Il y aura des éclatements dans des pays. Non. Il y a eu éclatement. Il faut sortir. Par exemple, l'éducation nationale. Il y a, je parle à côté de quelqu'un qui connaît bien le domaine de l'éducation. Pourquoi 3 ministres de l'éducation nationale, rajouter un 4e jeunesse et l'autre du sport? L'éducation nationale doit avoir un seul ministre, de l'école maternelle jusqu'à l'université, auquel il faut rajouter la jeunesse et sport. On doit former l'homme entièrement, non seulement sur le plan de l'école. Vous l'avez dit autrefois. Ouais, mais j'insiste là-dessus, tant que ce n'est pas mis en œuvre,
Je parle plus loin pour d'autres ministères qui ont été saucissonnés. Dans le sujet, Diana, structurer l'administration, mais pas à l'examen de requête. Hein, mais on a suivi tous ces invalidés. Personne, tout le monde est en train de nier. Je crois que je veux donner un avis d'observateur. J'ai l'habitude de dire que moi, je ne suis pas un urologue, mais moi, c'est la communication, c'est l'économie. Mais les questions de droit, je crois que j'ai eu une lecture sur cette question. Il est vrai que dans ce contexte, la CENI a créé un vide, comme disent beaucoup d'experts, parce qu'il aurait dû publier les résultats et motiver la décision de supprimer ou encore d'annuler le suffrage de certains pour raison de fraude et laisser les contentieux au niveau administratif départ devant la Cour. Là, la CENI a créé un vide. En cet instant, la Cour ne peut pas se saisir, ne peut pas être compétente pour évaluer les requêtes des gens qui viennent pour l'annulation alors que le dossier est au niveau de la CENI. Par principe, des parallélismes de forme, je crois que c'est lui qui a sanctionné. À ces stades ici, il n'y a que la CENI qui pourra, à la limite, parce qu'il a une commission juridique en interne qui fait ce travail-là, peut revoir certains cas et voir s'il y a certains qui sont victimes simplement de fausses accusations. Aller de par la Cour, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres considérations doctrinaires que je ne maîtrise pas, mais je pense en mon sens qu'à ces niveaux ici, la Cour n'a pas encore cette compétence-là parce que nous ne sommes pas encore arrivés à ces niveaux-là des contentieux de la vérification de la régularité des résultats. Et je crois que ceux qui y vont là-bas, je pense que c'est peut-être par euphorie, par sensation, je pense qu'ils feraient mieux. Parce que, je rappelle encore, la décision de la CENI est attaquable devant les mêmes cours. Attendez que la CENI publie. Ce qui veut dire qu'on a suspendu ou retiré vos suffrages, on ne les a pas complètement effacés. Si jamais vous étiez premier sur votre liste et que vous méritiez un siège, et que vous réussissez à annuler la décision ayant occasionné votre retrait, vous serez retourné dans vos droits et récupérez vos sièges. À ce niveau ici, ce n'est pas le moment de s'agiter. Je crois que je le rappelle aux différents candidats. Maintenant, là, s'il y a requête, retournez vers la CENI, cette commission qui fait ce travail de toilettage, apportez les éléments de preuve pour contredire ce que la CENI a eu comme dénonciation. Mais ils sont déjà au Conseil d'État. C'est ce que je dis, c'est aller vite en besogne, en fait. C'est aller vite en besogne. Le Conseil d'État, il devrait attendre le contentieux administratif dès que la CENI aura publié, et à ces niveaux-là, et ils pourront attaquer la décision de la CENI ayant retiré leur suffrage et de surcroît retrouver la place qu'ils occupaient dans les listes normalement. Et nous avons les cas de Ngobila. Les cas de Ngobila. Bon, les cas de Ngobila, je crois qu'ici, faut dire vrai, au-delà de ça, au-delà de cette initiative, je crois que Ngobila doit répondre de beaucoup de choses. La Cour profite de l'occasion pour résoudre beaucoup de problèmes, sur quoi il devrait répondre, mais malheureusement, parce que la seule entité qui pouvait permettre à ce que Ngobila soit rédévable aux Congolais, aux Kinois particulièrement, qui sont les assujettis de sa gestion, il a contourné par en entretenant les députés provinciaux à gauche à droite, il a constamment fui le vrai débat. Je crois qu'aujourd'hui, par principe sacro-saint de rédévabilité, la justice s'est saisie de cette occasion pour le mettre devant ses responsabilités. On ne peut pas braquer le caisse de l'État et s'en sortir comme ça. C'est pas raisonnable. Et je crois que ça ne sera pas de l'acharnement, mais ça sera rendre justice. Parce que j'aime rappeler aux gens ici, même ce que la CENI fait. Il y a un vieux sage qui m'a dit, une fois il dit ici, la sanction est le sens objectif du droit, la réparation en est le sens logique. Il ne suffit pas de sanctionner, mais après, il faut qu'il y ait une réparation. Et je crois que malheureusement, nous, ce deuxième aspect, on a tendance à l'oublier. On est le seul état au monde, quand quelqu'un va faire la prison, quand il avait pris 10 millions, il sortira de la prison après 10 ans avec ses 10 millions en banque. Et ça, c'est un sérieux problème. Je crois que pour moi aussi, le premier principe vers cette notion d'état de droit commencerait par là, qu'il rende compte. Et vous verrez que les Kinois sont très contents, mais à l'instar de Godin Pouilly, qui ne devrait pas faire comme ça. Il est serviteur des vieux. On ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Mais il avait l'occasion de déchoir à tout moment. À tout moment, quand vous dites que la justice a saisi l'occasion, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une autre occasion pour... Pourquoi il n'y avait pas une autre occasion, parce que, un peu comme maintenant, il a fallu que la plénière, l'Assemblée provinciale décide. Or, on est en vacances, les prérogatives sont données au bureau, et ces bureaux-là s'est exprimé sur le 5 membres du bureau, 4 ont voté pour la levée de ces immunités. Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, cette influence ou encore... la gouvernance de peur qu'il avait sur eux a un tout petit peu quitté et chacun profite cette fois pour faire ce qui est convenable. On ne dit pas, c'est pas au papa, c'est pas à l'individu gentil Ngobila, mais c'est au gouverneur, il faut faire la part des choses.
il est humain, mais le gouverneur, je crois que la gestion de l'État requiert un certain nombre de respect des principes. Quand on a géré après, il faut rendre compte. Alors, la plénière est pendant, les députés sont pendant les vacances, et puis il y avait une décision du ministère de l'Intérieur, hein, M. Éric Bucello, qui avait suspendu les plénières à l'Assemblée provinciale. Et aujourd'hui, quatre décident d'élever ses immunités. Est-ce que, parce que j'ai suivi aussi la réaction de son parti. Oui, mais la vous CP, savez, oui. Kamatata, quand la plénière ne sait pas siéger, dans les cas de ces niveaux-là, le bureau se prononce quand il s'agit de faire l'auxiliaire de la justice. Même quand il y a suspension. Quand il y a suspension, la plénière, c'est la plénière. Donc qui c'est logique. De la responsabilité. Alors on peut s'attendre à quoi? Le sort de ça peut se passer comment? C'est-à-dire quand il doit déposer dans 24 heures sa démission auprès du chef de l'État. Qu'il ne démissionne pas, qu'il ne le dépose ou pas, il sera sur la mission. Qu'il le dépose ou pas. Qu'il démissionne, ça devient une qu'il le dépose question. Ou pas. Ouais. Il sera démissionnaire là, c'est pour les formes légales, mais je sais que sa préoccupation, ce n'est pas de déposer sa démission. C'est vrai que l'aspect des réparations qui fait des fois notre justice nous cause énormément de préjudices et de dommages. Parce que si on avait tenu en compte cet aspect de réparation, notamment dans le procès de 100 jours, nous aurions récupéré l'argent qui, soi-disant, qu'on aurait perdu, la République aurait perdu, ça aurait donné aux Congolais une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire, on peut dire que voilà, il y a eu peut-être une mauvaise gestion, bien une mauvaise orientation de la somme, mais la somme en question est là, elle revient dans la caisse de l'État. On aurait dit qu'il y a une justice en ce pays. Mais c'est ça qui a fait en sorte que le chef de l'État lui-même dise qu'il n'a pas foi en la justice. Mais dans l'aspect actuel, concernant par exemple le dossier de la CENI, Déjà, je félicite la CENI de vouloir faire ce travail-là de correction, de nettoyage, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Et que la CENI ait le courage de s'attaquer aux alliés du pouvoir. C'est-à-dire qu'à l'Union sacrée, essentiellement à 90%, 99% même, de ceux qui sont impliqués dans ces dossiers. Je signale toutefois que jusqu'à ce jour, nous continuons à voir des machines se perdre dans des forêts. On en retrouve actuellement dans des forêts à l'intérieur du pays. Donc, c'est-à-dire machines c'est à voter. Les machines à voter. Je ne sais pas si les arbres ont décidé de faire des prolongements des jours de vote, mais en tout cas, les machines traînent un peu partout. Et ça, je pointe exclusivement la responsabilité de la CENI, parce que ces machines appartiennent à la CENI. Et que il est important que la CENI fasse un toilettage en interne, qui désigne, qui choisisse, qui cherche, qui sont les responsables qui ont pu dérouter ces machines de leur lieu, de leur destination initiale, pour atterrir dans les mains de quelques individus et les sanctionner sévèrement. Il est vrai que ce que nous attendons, je ne pense pas que la CENI a fait ce travail-là de repérage, de détection des voleurs, des tricheurs, avec la légère. Je pense qu'elle a mis suffisamment de moyens. Elle a eu des preuves. Sinon, elle ne se risquerait pas à s'attaquer à Mobila sans preuve. Elle ne se risquerait pas à attaquer à Kinke. Ou bien, on va parler de règlement de compte, mais je ne pense pas puisqu'ils sont tous dans la même marmite. Mais dans la réalité, les choses, c'est que c'est dommage. Et c'est pour cela que nous, d'un côté, on dit, on est un peu circonspect, on se dit, mais on ne peut pas dire qu'il y a autant de machines entre les mains de quelques individus. Et ces machines sont capables de faire au moins 500 votes par machine. Et que cela n'influence pas les résultats. Moi, je suis. Vous revenez encore sur ça. Non, parce que tout est lié. Tout est lié. Je pourrais être tout à fait d'avis que Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Mais dire qu'il a gagné à 73%, je crois que c'est ça qui frustre en fait. C'est ça qui paraît tout à fait immoral. C'est l'autre aspect de la légitimité. Et c'est un peu inquiétant. Parce que cela dit, malgré sa bonne volonté, il a fait campagne, ça on ne va pas le renier. Il a fait sa campagne. Il a fait faire part de choses. C'est vrai que mon ami avait dit tout à l'heure dans certains bureaux de vote, même là où j'étais, qu'il y avait une grande partie des Congolais qui votaient Félix Antoine. Ah, c'est oui, leur ça. Droit. Mais ne me dis pas que partout en République démocratique du Congo, on s'est mobilisé pour aller voter Félix-Antoine Tshisekedi. Et c'est ça qui fait que certaines populations dans certains coins disent « Mais attendez, vous n'avez pas entendu notre voix. On n'est pas des imbéciles. Et si vous écoutez certaines radios de la place où les Congolais ont l'opportunité d'appeler, d'avoir un échange avec les présentateurs, vous entendrez l'autre son de cloche qui dit que nous n'avons pas voté Félix-Antoine Tshisekedi. De toute façon, on ne votera plus. De toute façon, quoi qu'on fasse. Et d'ailleurs, on n'allait pas voter. La preuve, on est là. Mais aujourd'hui, il est ici question de tirer les conséquences de ce qui est faisable et ce qui a marché, notamment ce que la CENI vient de faire, et continuer à le faire et sanctionner sévèrement ceux qui ont fraudé. Et pour que, même dans les 5-10 ans à venir, qu'ils ne soient plus capables d'être devant les Congolais et demander leur confiance. Parce qu'on ne va pas s'amuser régulièrement à
attraper le voleur, à le condamner, à le libérer et à le laver, à le remettre en fonction auprès même des chefs d'État. Et ça, c'est insupportable. Ils doivent être mis à l'écart. Ils vont plus exercer la politique. Il y a des critères pour accéder à certaines fonctions de la République. Il y a des critères, c'est aussi c'est essentiel que ça. C'est aussi essentiel. Donc, la loi électorale même impose un certain nombre de critères pour être un candidat. Et donc, si vous ne remplissez pas ces critères, notamment de moralité, pourquoi aller chercher ces suffrages? C'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'après la Cour des cassations, qu'il y ait encore d'autres... parce qu'ils sont allés à la Cour... Conseil d'État, voilà. Qu'il y ait encore d'autres candidats, qu'on va blanchir, là, vous ne voulez pas. J'ose croire que non, ce n'est pas une question de vouloir ou pas, c'est une question de droit. Moi, je pense que la CENI, qui est le mieux à même de savoir qui a fait quoi, puisque c'est lui qui est détenteur de machines, est capable de prouver un certain nombre d'éléments. Je crois que l'ensemble de ces décisions n'a pas été pris à la légère. Donc, je pense que la CENI a des éléments essentiels pour aller apporter au Conseil d'État. Maintenant, c'est un peu précipité pour nos amis d'aller tout de suite au Conseil d'État, puisque, en toute évidence, les éléments ne seront pas arrivés avant et qu'on n'a pas encore eu les résultats des publications des candidats à députation nationale et compagnie. Et donc, je pense que c'est prémédité et que beaucoup savent, ils sont impliqués. Beaucoup savent, malgré qu'ils veulent garder une certaine, pas honte aussi, une certaine hauteur, mais je ne pense pas que la CENI, par légèreté, va s'attaquer aux certains ministres, aux sénateurs, en fonction. Non, il ne s'agit pas de l'acharnement. Non, je ne crois pas que Kadima chercherait de l'acharnement à l'Union sacrée pour déstabiliser qui que ce soit, même le chef de l'État. Non, il est dans une logique de vérité dans ce côté-là, et il faut l'encourager quand il prend cette option. Mais ça a été vite avec la ville de Kinshasa, parce qu'il y a trois gouverneurs, Mongala... et Bobolico, c'est l'Équateur. Mais là-bas, Boboboloko. Mais là-bas, l'Assemblée ne s'est pas encore réunie, mais avec Ngobila. Non, c'est la guerre entre Godelpo et Ngobila. Non, mais c'est la presse qui fait les choses. C'est la presse qui peut remuer ou non les choses. La presse ici s'est focalisée beaucoup plus sur Kinshasa, qui est la capitale. Ngobila, parmi les gouverneurs, on sait que c'est parmi les deux derniers gouverneurs qui n'ont pas joué même à 10% leur rôle. C'est normal qu'il y ait la focalisation sur sa personne et sur la ville de Kinshasa. Et ce n'est que normal, lui. Puisque si on règle le problème de Kinshasa, ça permettra plus tard de régler le problème de certaines régions. Et j'aimerais que ce soit une leçon pour le futur. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont été bien faites dans le passé. Il faut recourir à ces choses-là, notamment le choix... Le gouverneur devrait être fait par l'administration, par le président de la République, comme Mobutu le faisait, pour qu'on fasse qu'il n'y ait pas le tribalisme, que chaque région... On est en train de parcelliser le pays, exactement. Tout bêtement. Le gouverneur ne doit pas être issu des élections de sa région. Non, on doit prendre des grands techniciens qui répondent l'État, puisqu'on a des textes qui sont en contradiction. Ils sont élus par le peuple de ces coins-là, de ces nations tribales, de leur région. Mais à la fin... ils sont représentants du chef de l'État. Comment? Ça pose un problème, il y a contradiction. Le chef de l'État doit nommer le gouverneur. Il faut que, comme on l'a fait dans le passé, celui de l'Équateur doit être gouverneur par rapport au Congo central. Celui du Congo central doit être gouverneur dans les Kivu, etc. La cohésion, la cohérence, l'unité se crée comme ça, etc. Merci. Donc, nous avons fini. Hein. Diana, 30 secondes. Doudou, Diana, 30 secondes. Et... Christian, 30 secondes. En 30 secondes, je vais revenir sur deux éléments. Je voulais rappeler à Maître Eric, quand il parlait de... Non, c'est vrai, je veux poser un tableau ici. Et dites-moi si, avant, vous ne savez pas que c'était le contexte. Vous voyez ces tableaux tels que répartis. Tout le monde savait que le Kwilu, même si Tshisekedi faisait, comme il a fait, trois discours dans cette région-là, il ne gagnerait pas. C'est la zone de Katumbi, des Fayulu, et il a fait. Tanganyika, Olomami, Lualaba, Okatanga, pareil. Tout le monde. C'est-à-dire que c'est le coin de Katumbi, il n'y a même pas débat. Et il a battu calmement. Maintenant, quand on revient sur l'idée de dire, la question, ce n'est pas comment il a gagné, mais la question, c'est pourquoi il ne devrait pas. Parce qu'en dehors de ces trois-là, soyons sincères entre nous, il n'y avait pas un autre challenger efficace. Moi, j'ai des éléments pourquoi il ne devrait pas.
Maintenant, malheureusement, on n'a plus le temps. Ça dépend pas de moi, Diane. Ça dépend du programme. Vous avez donné 30 secondes. Je suis en train de calculer. Oh là là, l'émission est finie. Regardez, il y a deux éléments. On devait d'avoir voté Tshisekedi. Bon, ça, j'ai déjà répondu. La question sur le gouvernement, j'ai quand même placé un mot rapidement. Doudou, oui, j'ai 20 secondes. Quand vous parlez, vous grignotez mes secondes. Moi, je pense qu'on ne doit pas aller dans la logique que le gouverneur soit nommé par le chef de l'État. Je suis contre cette initiative parce que on a opté pour la décentralisation. Ce qui pose problème, ce n'est pas le fait qu'il soit de la région. Ce qui pose problème, c'est le moyen de la politique. Interrogeons la finalité. Pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à s'entendre? Simplement des questions d'argent. Quand vous avez des assemblées provinciales qui ont souvent des problèmes de paiement, pendant que le gouverneur a des frais de fonctionnement, juste certaines rédévabilités, vit mieux et aisément, c'est compliqué. Quand on ne sait pas faire fonctionner la caisse de péréquation pour redistribuer et donner à chacun les moyens de sa politique, c'est ça notre problème. Nous allons revenir sur la question. Ne mettons pas en cause le principe parce que la méthodologie choisie par les hommes ne marche pas. Je ne pense pas. Et je pense que pour un État décentralisé, le chef de l'État a beaucoup de prérogatives, beaucoup de responsabilités. Faire en sorte que la gestion de province lui revienne directement, je ne pense pas que ce soit un élément important de l'État. Kiosque est fini. Merci Diana. Merci Gandhi Bokabo. Merci Monsieur Eric Bisselo. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à Yves Leschwangé, Christian Banjolo. Merci Alain Kabongo, José Andia. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, monsieur, je vous retrouve prochainement. Au revoir.